Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du prochain jeu Geocaching HQ qui s'appelle Vous savez que vous êtes géocacheur? Si. Ce jeu va se dérouler de septembre à décembre, donc pendant 4 mois, et vous allez pouvoir obtenir ainsi 4 souvenirs plus un souvenir supplémentaire si vous obtenez les 4 précédents. Le nom des souvenirs est déjà connu, donc il s'agit pour le mois de septembre de Vous êtes accro à l'adrénaline. Pour le mois d'octobre, il s'agira d'Expert des caches. Pour le mois de novembre, il s'agira du Prix de la camaraderie. Et pour le mois de décembre, l'amateur de TV. Et si vous obtenez ces 4 souvenirs, vous obtiendrez un souvenir qui est celui de géocacheur suprême. Pour obtenir le premier souvenir, il faudra obtenir 50 points. Ces 50 points, on les obtient de la manière suivante. Il vous suffit par exemple de trouver des caches, de participer à des events ou de loguer des TB. Et le nombre de points va être réparti de cette manière. Pour toute cache trouvée, vous allez obtenir 5 points. Ensuite, vous allez multiplier simplement l'indice de difficulté de terrain par 2. Exemple, pour une cache difficulté 3, terrain 3, vous allez obtenir 3 points en plus pour la difficulté, plus multiplié par 2, donc 3 points supplémentaires. Pour la difficulté, ce qui vous fait un total de 6 points. On fait également la même chose pour le terrain, donc 3 points multipliés par 2, ça vous fait 6. Vous avez obtenu déjà 12 points plus 5 points de votre précédente cache. Pour tout dépôt de TB, vous gagnez 3 points supplémentaires, et si la cache a 10 points ou plus de favoris, vous obtenez 10 points supplémentaires. Bien sûr, si la cache a en dessous des 10 points, vous obtenez 0. Vous pourrez accomplir ce challenge du 3 septembre jusqu'au 1er octobre. A savoir que si vous commencez le 3 septembre, attendez 9h heure française pour pouvoir commencer à loguer vos caches, tout simplement avec le décalage horaire. Et il est possible que vos caches ne passent pas parfaitement dans le mois de septembre. Donc, un petit peu de patience, loguez qu'à partir de 9h heure française. Vous pouvez commencer le challenge n'importe quand dans le mois. Je sais que certains d'entre vous sont en train de vous dire que 50 points c'est extrêmement facile, effectivement. Ça peut être fait en une ou deux caches pour des grosses cotations, ou un peu moins d'une dizaine de caches pour des cotations plus faciles. Mais Geocaching HQ s'est rendu compte que le dernier challenge était quand même assez difficile. Il fallait obtenir 100 points avec 1 point par cache, et c'était pas facile pour tout le monde. Donc, de manière à ce que tout le monde puisse participer et obtenir un maximum de souvenirs, le premier défi va être très simple. Et croyez-moi, j'ai eu quelques infos sur les prochains défis, ça va être pas mal. Autre petite information, vous pouvez suivre l'évolution du challenge autour de vos amis en utilisant la ligue d'amis. Je vous ai mis un lien dans la description, cette fameuse ligue qui est en fait... sur votre profil géocaching, en fait, vous avez la liste de tous vos amis géocaching et vous allez pouvoir suivre leur évolution, leur compte de points. Alors je sais que certains vont dire « Oui, la ligue d'amis ça sert pas, quoi, ça sert de juste pouvoir regarder des points, tout ça !» Croyez-moi, un moment ou un autre, ça va servir, puisqu'il y a un moment ou un autre, on va devoir utiliser les points de nos amis pour les mettre en commun avec les nôtres pour obtenir un souvenir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, on se retrouvera pour une autre vidéo au sujet de ces events chaque mois. À savoir, si vous voulez continuer et partager avec nous ce challenge, en fait, si vous faites des photos ou montrez des endroits où vous avez fait des difficultés assez corsées, par exemple, si vous faites une D5-T5, autant la partager. On a notre petite chaîne Discord, qui est un chat en ligne gratuit, une application qu'on a sur smartphone ou sur PC. Je vous mets le lien dans la description, c'est un lien permanent, donc vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, et vous rejoignez la communauté, il y a pas mal de surprises, etc. Et l'avantage, c'est qu'on parle tous ensemble entre les jeux abonnés, etc. Gros, du matin au soir, on partage des photos, etc. Il y a plein de salons différents. Et il y a un salon Adrenaline Junkie, donc là, vous pouvez partager à fond sur le sujet. N'hésitez pas à partager la vidéo afin que tout le monde puisse obtenir ses souvenirs, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, nous rejoindre sur Discord, soutenir la chaîne sur Patreon, laisser un pouce bleu, partager. Bref, merci encore à tous et à toutes pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous invite les amis, ciao. Petite info en passant comme ça, c'est un secret. On organise un event avec Greux pour tout simplement le mois de septembre. Donc du coup, si vous voulez obtenir 5 points, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est ici. À bientôt.